la Loire à bicyclette. Mon périple débute à Nevers, mais je ne vais pas trop m'y attarder. Un parcours balisé de plus de 700 km m'attend, et au terme de ce voyage, un rendez-vous avec un monstre marin. À peine le pont en grès roux franchi, qu'empruntait l'ancienne nationale 7, j'abandonne une première, mais pas dernière fois, la Loire, pour longer son canal latéral, long de 196 km, qui va de Digoin en Saône-et-Loire à Briard dans le Loiret. Il permet, avec d'autres canaux, la liaison du Rhône à la Seine. Premier ouvrage d'art, le pont canal de Guétin. Long de 343 mètres, il permet au canal latéral de passer au-dessus de la ligne. Au lieu dit le bec d'Allier, l'Allier marie ses eaux à celle de la Loire. Entre canal latéral et Loire, la voie mène à la Charité-sur-Loire. Son vieux pont est placé sur l'un des itinéraires des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des collines, un vignoble et sur son piton rocheux, Sancerre, qui domine le Val de Loire. À peine le temps de boire un petit coup de Sauvignon blanc qu'il me faut repartir.
Sympa, ces enfants qui nettoient la mer des adultes. Yes, une centrale nucléaire, celle de Belleville-sur-Loire, mais pas la dernière. Et à quelques centaines de mètres, une borne rappelant le niveau d'eau atteint par différentes crues, en particulier celles de 1856 et 1866. Briard et son célèbre pont-canal, entièrement métallique et long de 662 mètres. Il permet de traverser la Loire et relie le canal latéral au canal de Briard. Superbe vue sur la rive opposée de Gien, son pont médiéval et son château. À l'horizon, les vapeurs d'eau de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. On entre à Sully-sur-Loire par le parc de son superbe château entouré de doubs. Il fut acquis en 1602 par le ministre de Henri IV, Maximilien de Béthune, duc de Sully. Une des nombreuses échelles de niveau de l'eau de la Loire. Le souvenir des grandes crues reste gravé dans la pierre. D'authentiques bateaux de Loire, Toux, Gabart et Futreau, ici à Châteauneuf-sur-Loire, sont visibles dans les ports nigériens. Arrivée à Orléans, l'emblématique cité de Jeanne d'Arc, partie la plus septentrionale du parcours de la Loire. Le pont de l'Europe à Orléans, l'un des plus récents. Une centaine de ponts franchissent la Loire entre Nevers et l'embouchure, pont routier, pont autoroutier, pont ferroviaire, pont canal, passerelle. À Meuc-sur-Loire, c'est un pont détruit, les restes du pont médiéval que Jeanne d'Arc avait pris aux Anglais en 1429.
Beaugency et son pont médiéval, 23 arches et 400 mètres de long. Saint-Dié-sur-Loire, dont le port fut l'un des plus actifs de la Loire. C'est par ses 900 mètres de quai que transitèrent la totalité des matériaux de construction du château de Chambord. Petit détour de 6 km pour y faire une entrée royale. Reprenons la véloroute pour rejoindre Blois par le pont Jacques-Gabriel et son château royal. Il réunit autour d'une même cour un panorama de l'architecture française du Moyen-Âge à l'époque classique. L'aile Louis XII avec sa statue équestre. François Ier, de style Renaissance, dont l'élément central est l'escalier monumental. L'aile Gaston d'Orléans.